Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour les personnes qui ont des problèmes de RAM sur leur téléphone. Bon, on va commencer la vidéo. On va aller voir ces paramètres. On va chercher paramètres, paramètres. Ah, on a trouvé paramètres. Maintenant, on va aller à propos de l'appareil. C'est toujours tout en bas des paramètres. À propos de l'appareil. Maintenant, on va aller à numéro de build. Dans certains téléphones Techno, non, Galaxy J1, oui, je crois bien. C'est écrit numéro de version. Mais c'est toujours pareil, numéro de build et numéro de version. C'est toujours la même chose dans les différents téléphones. Bon, si vous avez un numéro de version, vous devez seulement appuyer cette fois bien 8 fois. Même aussi numéro de build. Ceci pareil, cette fois bien 8 fois. Vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Comme moi aussi, déjà un développeur, c'est écrit Unity, vous êtes déjà un développeur. Dès que vous appuyez cette fois 8 fois, ça va vous mettre un signe. Vous êtes déjà un développeur. Vous allez retourner en arrière. Vous allez aller à options pour le développement. Vous allez venir. On va d'abord descendre. Vous allez venir à l'échelle d'animation de la fenêtre. Vous mettez tout à fois 1, une fois. Échelle d'animation transition. Vous allez venir, vous mettez toujours une fois. Échelle de durée d'animation. La durée d'animation. Vous mettez toujours une fois. Dès que vous avez déjà fait tout ça, vous venez seulement, vous retournez seulement en arrière. Maintenant, vous allez remarquer que votre téléphone devient plus rapide quand vous ouvrez, quand vous partez sur. Quand vous partez sur une application, l'application s'ouvre plus rapidement. L'application s'ouvre plus rapidement, ça ne dure pas parce que cette application durait beaucoup quand j'essayais de la faire marcher, vous voyez. Vous voyez, c'est bien plus. Déjà, vous jouez à vos jeux tout en liberté. Sans que vous devez encore patienter du jeu la durée d'attente, vous pouvez jouer vos jeux. Bon, si vous avez suivi ma vidéo jusqu'au bout et que vous avez aimé, n'oubliez pas de me like, de me mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et merci encore pour avoir regardé ma vidéo si vous l'avez aimé. Bon, ciao!